Voilà, notre retour sur Evil Within 2, c'est l'épisode 10, 10 pardon, et ça fait, je pense déjà 9 mois que je suis sur le jeu, même peut-être plus, je pense peut-être même 11 mois quoi, donc c'est promis, je vais finir ce jeu, ça va, voilà quoi, je suis déjà à l'épisode, non, je suis au chapitre 11 sur 17, mais ça va aller, je vais le finir. Alors ça c'est les agents qui étaient rentrés dans le STEM. Donc le STEM, c'est la matrice, en fait, un peu. C'est le monde virtuel dans lequel on est, où notre fille est bloquée. Donc ça, c'est les agents qui sont entrés, qui sont censés pouvoir m'aider. Et je viens de rencontrer cette femme. Donc dans le dernier épisode, j'ai tué lui, le gars qui faisait les tableaux. Et qui faisait des photos. Donc lui, voilà, je l'ai fini au dernier épisode, vous avez pu le voir. Vous pouvez le revoir du moins. Pour ceux qui l'ont pas vu. Et donc je l'ai buté, puis après qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en galère, je rageais parce que j'avais quasiment plus de balles et j'étais face à trop d'ennemis. Donc en fait j'ai essayé d'en tuer 3 et en fait ils étaient 7. Donc j'ai dû revenir avec une version munitions illimité et j'ai pu buter les 7 ennemis et juste après j'en ai eu 3 qui sont des ennemis encore plus puissants, des espèces de zombies en feu qui sont overbourrins et en fait c'était infaisable, donc j'ai bien fait de faire ça parce que j'aurais jamais su réussir à buter les 4 en plus que j'arrivais pas, plus les 3 autres overbourrins. Et puis j'arrive face à lui, le père Théodore, qui a aussi qui est rentré également dans le STEM. Donc, mais qui lui n'est pas sur cette partie là parce que ce gars là veut pas m'aider en fait. Ce gars là en fait il veut pas m'aider. Il m'a proposé de reprendre contrôle du STEM. En fait il veut recontrôler les gens quoi, il veut reprendre contrôle et être le boss quoi. En soi. Et là je suis pas trop d'accord avec lui. Il a dit il m'a laissé partir, il m'a laissé vivre. Il a dit on se reverra. Donc je me retrouve. Donc je me retrouve pris par un torrent de sang qui est envoyé par lui. Et je me réveille dans une maison avec elle, cet agent-là, qui m'aide. Et ici, on a dû reprendre contrôle de sa base, qui était aussi tenue par des trucs overbourrins, zombies en feu. Et donc maintenant, j'ai repris contrôle de sa base et elle me propose d'aller le buter. Parce que bah, il va pas... C'est un sacré problème ce mec. Voilà en somme. Alors j'ai une pièce qui apparaît en plus, qui n'était pas là avant. Qui est cette pièce-ci, et en fait, voilà, je vais vous montrer là-dedans. Ça me permet de faire des tirs à une salle d'entraînement et de gagner des points du gel vert, quoi. Voilà en gros ce qu'il y a en plus. Voilà, ça c'est la partie qui n'a pas été stream, mais ça a duré quoi, 30 minutes quoi. Donc vous loupez pas grand chose sur l'ensemble du jeu. Et donc là je reviens dans la base de la femme qui fait partie des agents qui sont là pour m'aider. Voilà, donc maintenant je dois sortir, elle m'a proposé d'aller en finir avec l'autre Gugus. Et on verra si c'est faisable. Donc voilà, je devais aller ici. Et le jeu reprend là-bas. Oh, espérons que la moelle est encore là. Traverser la moelle pour retourner voir O'Neill. O'Neill qui est un... En fait, il reste 3 agents en vie qui peuvent m'aider et O'Neill est un des 3. La moelle. Ok. Est-ce que je suis au bon endroit? Ça, c'est la question. Ah, il y aura déjà un signal ici. Regarde, j'ai localisé l'opérateur Mobius décédé. Ok, c'est ça que j'ai localisé.
Donc si je me trompe pas, c'est toujours le chapitre 11. Hein. À moins que ce soit le 12. Je sais pas. Je sais pas vraiment. Ah. J'ai pas envie de l'activer, moi. Ok. Ça, ça m'active 2. Ça, ça m'active 1. Ça, ça m'active 1. On va mettre tout. Je le sens pas. Merde. On dirait que Théodore est passé par là. Ça expliquerait pourquoi j'ai pas pu contacter O'Neill. La planque d'Hoffman n'est pas loin. Je ferais bien d'aller voir. Une diapo, ok. Est-ce que c'est par là? Je dirais... non. C'est obligé qu'il y ait des trucs. C'est trop calme. J'aime pas ça. Hein. J'ai presque envie de courir quitte à mourir. Une porte, c'est pas entré, ok. Ah, la traînée de sang. Une carte. Il y a aussi une porte. C'est con, je peux pas le ramasser. Ça m'aurait fait bien plaisir en plus. Ok, c'est un petit bonus. Matos pour nous. Ah, il y a bien quelque chose. Ça se prend. Bon. Il n'y a pas 50 choix, il n'y a qu'une porte. Hein. Vous êtes là? Ok, ouais, ça c'est pour tourner le truc. Ah, c'est là qu'il y avait un truc. Encore un. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Sa planque pour aller dans une zone interdite de la moelle. Ah d'accord. Ça lui ressemble pas. C'est le labo. C'est le labo où était O'Neill en fait. Je l'ai pas reconnu. Petit café. Ah non, ma jauge de vie va bien. Ça craint. Opérateur mobile décédé. Ouais, c'est le gars que j'ai vu en fait, c'est toujours lui. J'ai envie d'aller par là, mais.
Vas-y, fais par là, tu sais quoi. Y'a quelqu'un? Bon, j'ai bien fait. C'est toujours bien d'avoir des pièces détachées. Alors, cette qualité portable utilisée à laboratoire. Ok, c'est pour me faire des objets. Bon. Il y a des ordis partout. Du coup, moi, je sais pas trop, je les utilise pas pour l'instant, on verra. Mais t'es malade. Je sais pas. Je n'aime pas ça. Suivez Hoffman. Mais Hoffman, elle est pas là. Ah oui, certainement, il parle de Lolo quand elle était là, quoi. Ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai envie de tirer. Mais prévoyant. Bon, s'il est encore en vie. Ok. Si tu te relèves, Gaïa. J'aime pas ça. Voilà. Ça, c'est bien. Oh putain de merde. J'arrive pas à viser avec une manette, hein. Y a pas à faire. Hein. Je sais pas comment vous faites. Hein. Ceux qui arrivent à viser avec une manette, c'est presque des génies, quoi. Ça vaut pas une souris, quoi. Tellement pas. La galère, t'es avec ton pouce à bouger. Je sais pas comment vous faites vraiment. C'est trop fort. Bon bah voilà, j'ai gâché mes balles. J'aime pas ça. Tu as combien? Bon, pas grand chose quoi. C'est tout. Fumigène. J'en ai un. Un deuxième, ça peut être utile, à la limite. Ouais, lui il bouge. Ça va bouger, ça va bouger. On dirait que la sécurité était renforcée ici. Non? Non? Toi? Bizarre. Ah bien, je suis à pompe. Enfin bien. Bizarre.
Est-ce que je peux me booster? Je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir assez de gel vert. Je vais regarder si 265 pièces, normalement j'aurais pas assez. Je pensais qu'il m'en fallait 400. Bon là 120, mais ça c'est quoi? Capacité de chargeur. Oui et non, ouais, 2 balles c'est cool quand même, mais. C'était les dégâts qui m'intéressent. Waouh, 800 pièces quoi. Ça c'est chaud. Même là, 360, c'est quoi ça? On m'a permis d'afficher des dégâts critiques. Ah, peut-être quand je tire dans la tête et tout, tu vois. Ça m'intéresse, hein, mais. Non, 95 pièces. Mais c'est ça que je vais mettre sans doute. La cadence de tir, ouais, ça n'a pas changé grand chose. Le temps de rechargement, ça n'a pas été énorme non plus. Ouais, ça va être clairement le prochain truc que je prends. Je sais c'est quoi. Ouais, on est bon. On va voir au niveau du gel vert si j'ai assez pour monter quelque chose qui m'intéresse. Inspecteur Castellanos, oui. C'est bon de vous revoir. Allez, booste-moi. Alors. Là, c'était quoi? Augmente la capacité maximale de la jauge de santé. Bon, là, j'ai 12 000. Ah non, c'est le coût. Ah non, j'ai 1650 en fait, j'ai rien. Ok, bon, on oublie. Hein. On oublie gentiment. Et là, il faut 75 000, quoi. What the fuck, quoi. Même ça, je peux pas le faire. On oublie. Je suis pauvre. Pour gel vert. Vas-y, rappelle-moi que j'ai pas de gel vert. Est-ce que je peux en gagner? Est-ce que seulement je peux en gagner? Alors, vous avez 30 secondes pour faire le meilleur score possible. Tirez sur les cibles, faites le meilleur score. Tire à la tête pour augmenter votre compteur de combo et augmenter les points bonus. Ouais, c'est ça. Niveau. Tir libre. Facile. Normal. Ah. Donc là, gel vert x 1000. Gel vert x 3500. Ah, bon, on va mettre très difficile, on va le tenter. En effet. Terrible. Joli coup, inspecteur. Votre entraînement a l'air de porter ses fruits. Bof. Je suis pas content. Je vais faire mieux que ça quand même. Pas possible.
Joli coup, inspecteur. Votre entraînement a l'air de porter ses fruits. Clé classique fois 1. Ok. Ancien rue est quasi dans la zone de soins de l'infirmière. Ok. Sur les casiers. Après, je peux peut-être faire les différents modes. Je regarde. Est-ce que lui me rapporte? Mais ouais, mais... Bof. J'ai gagné des pièges, j'ai gagné du gel vert, j'ai gagné des herbes. Bien. Ça m'a fait monter un peu, hein. Ça c'est quand même cool. On va essayer. Donc j'ai fait ce mode là, j'ai fait ce mode là. Bon, j'ai mes meilleurs scores là. On va essayer ça. On va essayer de maximiser les points que je peux avoir. Hein. Voilà, là, je fais 400 et des pièces détachées. On va voir si je gagne des choses. Oh! Attends, c'est quoi ça? 4000, 40 000 fois 2000, herbe fois 4, une clé. Ok. Que je dois faire. Je dois faire quoi? Pas trop compris. Je suis peut-être un peu rouillé. Je suis pas compris. Score actuel, 3500. Je suis pas compris. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tirer dessus, hein. Vous avez 30 secondes pour faire le meilleur score possible. Tirer de cible. Dessus pour obtenir des points et détruire toutes les cibles adjacentes de la même couleur. Sablier apparaît lorsque vous faites un combo élevé. X, tirer des numéros score. Faites-les apparaître en détruisant les cibles adjacentes. Je comprends que dalle. C'est vraiment que dalle.
sais pas, je comprends pas. Ah, même les grilles, faut tirer dedans. Vos efforts sont louables, mais vos résultats... Oui, ça va, j'ai compris. Loin de là. Pétasse. Pas terminé. Je suis peut-être un peu rouillé. Bref, on arrête ce truc. Bon, il m'a parlé des casiers. Les casiers de la fermière. Non. Un casier quelque part. Bon, ce serait peut-être pas là. Ah oui, ils sont ces casiers. Je vois vraiment pas où sont les fameux casiers. On va mettre les casiers ici. Je sais pas. Ah oui, bon, j'ai peut-être assez pour faire mon truc finalement. Donc il fallait, je sais plus combien de pièces, il m'en manquait 25 vraiment. Ben voilà. Et on est bon. Ça m'a permis de faire au moins ça. Ensuite du gel vert, j'en ai 8000. Est-ce que je peux augmenter un truc? Vous avez rapporté quelque chose? Une clé? Ah d'accord. Parfait. D'accord. Certaines clés ouvrent les portes de la perception, mais ce n'est pas l'une d'elles. Celle-ci est plus commune, mais tout de même utile. Allez-y, ouvrez-en un. Son contenu aura plus d'utilité entre vos mains. Allez, on va ouvrir... On va ouvrir le septième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est sérieux? Je suis pas d'accord. Quelle arnaque. J'aurais dû ouvrir... Ah non, je devais rester là. On devrait arrêter de se voir autant, inspecteur. Oui. Bon. Ça, je peux pas. Furtivité. Ça, c'était pour les points. 6000. Notamment au couteau, il y a la hache, un fil de dégâts, ok. Et les capacités étourdir les ennemis à distance ne fonctionnent pas pour tous les ennemis. Moins de recul. C'est un problème, le recul. Qu'est-ce qu'on a encore? Récupérer davantage de santé.
avec les objets de guérison. Non. Ça c'est quoi? Ça c'est intéressant aussi. Hein. Mais à la limite ça me dérange pas de le faire moi-même. Récupération là. Lui. Lui il me manque. Ok c'est juste. Ça m'intéresse pas. Et là au-dessus c'est quoi? Ouais bof. Et en dessous. Santé d'une résurrection après la mort imminente. Ouais ça j'en ai déjà pris un. De toute façon il me faudrait une clé là et là je suis bloqué. Qu'est-ce que je vais faire? Ça c'est quoi ça? Wow. C'est 12 000 aussi en plus là. Ça fait quoi? Ah, ça m'intéresse. Ne fonctionne pas pour les attaques 0 à 20%. Et là, c'est quoi? Tu passes à 30%. Ah ouais, il faut que je déverrouille aussi. Donc, il faudra que je trouve un cadenas, vitesse de récupération, endurance augmentée. Un peu l'endurance, ça me pète les. Hein. Ça, c'est quoi? C'est moi les bouteilles de votre inventaire. Effectuez des attaques furtives depuis un an lorsque vous êtes à couvert. Ça, c'est intéressant à la limite. Voilà, je mets pas 8 000 pour ça, tes couilles. Faut pas ça, hein, se mettre à la recherche encore moins rapidement. Allez. De toute façon, là, il me faut 12 000 gel vert, j'ai le temps de voir venir. Ouais, j'étais là. Toutes ces cuves. Qu'est-ce que c'est? Dans ma vie. Le dessin. Il y a des saloperies dedans. Mais je m'en doutais. Je m'en doutais tellement. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je suis dans la merde. Pas ça. Mais vas-y, qu'il y a des cuves partout. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Personne. À ce rythme-là, il va plus de semaines. Nous
Nous avons perdu le contact avec Mobius. Et nous sommes pris au piège ici. Avec les déchus. Ok, c'est là. Ok. Mais c'est pas trop. Il n'y a qu'une, qu'un signal de résonance. Putain de merde. T'es malade toi? Ça. Ça, il se relève pas. J'ai une seringue, ça c'est cool. Si je me fais bouffer le cul, je peux me soigner là. Toi tu bouges pas? Tu bouges pas, c'est bien. Ouais. Il n'y a pas un truc qui va sortir de là. Ça me stresse. Pas que j'oublie. J'ai une seringue qui est ici au cas où. Non? Je vais prendre le lever. Ah tiens.
Je sens qu'il y a un truc qui va réouvrir tous les cuves et il faudra redescendre. Si c'est ça, bande d'enfoirés. Labo 3. Je regarde pour... Ça va être là-bas. Quoique le labo 3, ça pourrait peut-être mettre du matos et tout, hein. Faut que j'aille voir. Capable de te faire un truc qui sort. C'est dangereux pour les cardiaques, je te jure. Qu'avons-nous là? S'ils n'ont pas encore retiré la puce de ce type, je devrais pouvoir l'utiliser pour passer cette porte et trouver Hoffman. Je suis d'accord. Comment je trouve le mot de passe? X028 27 04 56 73 27 04 56 73. J'ai fait 27,04, c'est 56,73, c'est ça, 56,73, ouais, c'est ça. Est-ce que ça va marcher, on verra. Non. Et au niveau de la tête, on a 0,28. Zéro à 28. Ouais, ça doit être ça. Ok, chacun les voyons bons. Ce que ça donne. Du ketchup. D'accord, j'ai besoin de la puce pour rentrer en dessous. Ah ouais, je vais être identifié comme ça. Pas con. Heureusement qu'il est déjà mort. Bon, ouais, il peut encore faire de ce labo. Bah tiens. Ça serait plus facile. Ta mère, je m'en doutais. Ça a ouvert tous les trucs en bas, je parie. Attends, il manque des gens là. Ouais, il manque bien des gens. Non. On ne sait jamais, ils sont assez fourbes. J'ai des copains, ils sont où? On va essayer.
Qu'est-ce que c'est ce bordel? Vous êtes où les gars? Bon, j'ai pas été là, de toute façon je dois aller là. Vas-y, fais du bruit, quelle bonne idée. Voilà, ça c'est fait. C'est quoi cette petite améliorée? Ah, très bien ça. Ça va m'aider pour les soins. D'ailleurs, j'ai un soin en bas à récupérer. Oh putain, j'ai peur. C'est un anneau, c'est bon. Ok. J'ai tout récupéré ici. Hein. Allez, on va t'écouter, toi. 100% de la population mondiale n'est toujours pas. À ce rythme-là, il ne restera plus personne d'ici 2 semaines. Pourquoi ils sont pas? Nous avons perdu le contact avec Mobius. Et nous sommes tous vides. Nos efforts n'ont servi à rien. Le noyau s'est échappé il y a moins d'une journée. En quelques heures, nous avons commencé à recevoir des rapports d'une prolifération de déchus. Ils sont partout. 20% de la population d'Union a déjà succombé. Et ils traquent et exécutent tous les survivants qu'ils trouvent. C'est un véritable cauchemar. À ce rythme-là, il ne restera plus personne d'ici 2 semaines. Nous avons perdu le contact avec Mobius. Et nous sommes pris au piège ici. Avec les déchus. Il est trop tard pour s'arrêter désormais. L'intégralité de l'expérience Union est condamnée. Nous sommes tous condamnés. Ok. Bon. Ce que je comprends pas, c'est où ils sont les cocos là. Faire du bruit là. Je me dis pas que c'est toutes les cuves en bas qui sont ouvertes. Parce que là, je suis dans une merde. Noir. Ah. J'ai un copain là-bas. Tu retournes pas, hein. Je ne retrouve pas, reste comme ça, on est bien là. T'as raison. Ça, c'est fait. Un peu de gel vert, il m'en faut 12 000, donc ça va, je suis à 3 là, 3 000. Bon, je pense avoir fait le tour en haut. Si je fais ça, ils m'entendent pas. Hein. Je vois personne comme ça. Mais je te parie que c'est toutes les cuves qu'ils ont complétées. Bon, là, il n'y a plus personne. Hein. En logique. Hein. Ah ouais, ils sont là. Génial. J'espère que toutes les cuves sont ouvertes parce qu'il y en avait au moins 20. Et là, je sais pas comment je vais faire. Comme c'est à la Splinter Cell, tu vois, en mode ninja. On va redescendre. On passe en mode furtif. Parce que j'ai. Je ne sais pas combien ils sont. Bon. Là, on a un copain qui regarde vers moi. Cette saloperie. Est-ce que je peux faire le tour autrement? Bon, je devrais passer de toute façon. Ah, non, je peux passer là. Ok, d'où tu débarques là? Ok, ok.
Ok. Ils me remettent là, quoi. Ça, c'est abusé, ça. Je vais retaper tout. Ça, c'est chiant qu'ils me remettent aussi loin. De la population d'Union a déjà succombé. Nos efforts n'ont servi à rien. Thank you.
sérieux là, ils sont sérieux là. On va faire sa propre. Je t'ai évité de gâcher mes balles là. 20% de la population de l'Union a déjà tué. Nos efforts n'ont servi à rien. Voilà, next. Je vais tenter autre chose. Voilà, on va tenter mon arme secrète. Pas du tout ce que ça fait. Tourne-toi, tourne-toi. Thank you.
C'est le fils de pute qui me revête là. Hein. Ta mère. Oh, genre bien casse-couille. Remets-moi en bas de l'escalier, connard. Connard de jeu. Dernière tentative, vous le dites, les gars. C'est ce que je me dis aussi là, mes efforts ils servent. Il y a peine sur un que je dois récupérer ici quelque part. Mais c'était pas là. C'était ici peut-être. Voilà. C'est pas le... Le gars il est paralysé, tu sais pas tirer dessus. Je vais le faire. À quoi ça sert alors? À quoi ça sert? Putain. J'arrête, hein. Je vais arrêter les gars, c'est bon. Franchement ça m'a saoulé quoi. Il est immobilisé, je suis pas donné un coup de dos. C'est bon, j'arrête. Ça m'a saoulé.
Ciao.